développement du cerveau débute chez le fœtus humain dès les 3 premières semaines de conception. La première étape est la formation de la plaque neurale, une feuille de tissu nerveux primitif. Elle s'allonge, puis se plie pour créer un sillon, puis un tube. Vers 5 semaines, ce tube, le tube neural, forme 3 renflements qui deviennent le cerveau antérieur, le cerveau moyen et le cerveau postérieur, le rhombencéphale. Les renflements s'élargissent et commencent à se diviser pour former les principales parties du cerveau. Le tube neural est tapissé de cellules souches qui se divisent et se multiplient pour former les neurones et les cellules gliales qui les entourent et les protègent. Durant cette période, jusqu'à 250 000 de neurones peuvent être formés chaque minute. Les neurones nouvellement générés migrent vers différentes parties du cerveau en développement où ils grandissent pour former diverses structures cérébrales. Une fois en place, les neurones se prolongent en axones afin de se connecter avec d'autres cellules nerveuses, dont certaines résident dans des parties éloignées du cerveau. Cela commence le processus de câblage du cerveau pour que l'information circule d'une partie à l'autre.